il en profite. Mon droit à l'image, tout à l'heure quand je serai habillé, je suis mieux. D'accord. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me fait un peu sur le fait de Marseille, parce que moi, je m'en fous. Honnêtement, j'ai jamais quitté la réalité. J'habitais Paris, j'allais au parc, machin. J'ai pas aimé non plus trop de violence, faut pas déconner non plus. Mais ce qui m'a fait rire, des Marseillais, les discours, c'est maintenant l'oseille et tout. Mais l'année où vous avez été champion, qu'il y a eu 20 millions pour Rémi, 20 millions pour Gignac et tout ça, là, il n'y avait pas spécialement de la même notion. Ah, mais Marseille, c'est pas des pauvres. Hein, ah, bien sûr, c'est ça qui m'a retirée et vous attend. Pour son portrait très éloquent, je peux dire qu'elle présente un pâle visage à celui qui la dévisage. Car le lit où elle se couche n'a pas de matelas répond que ce poison qu'elle prend, ce venin qu'elle ingurgite. En elle-même le produit, en elle il habite. C'est ce venin qui la maintient. On dit la chair qui dans sa main elle tient. Il y règne une obscurité. Elle lui ouvrira les bras. Elle leur montrera le chemin qui mène à l'état d'un profond deuil. Et là, elle sera pleine d'orgueil. Celui qui entre dans sa demeure obscure n'aura plus jamais joué cette figure. Elle-même ne se remplit d'orgueil que lorsqu'elle voit les autres en deuil, ou quand elle apprend une triste nouvelle. Deux heures en entendant les rires et en voyant le bonheur. L'entrée est ignoble et sale, ainsi que sa maison et sa salle, et sa vallée ne présente plus des aspects à vivre. Thank you.
C'est marrant. Avant d'aller prendre leur repas, jaillit. Catherinette, mamie, il me faudrait bien me marier. Catherinette, mamie, ne voudrais-tu pas m'écouter? Catherinette, mamie, voici mon épingle d'or et je te la donne. Et je t'en prie, que me vienne un bon cavalier. Ça va tous passer une bonne journée. Hein, bon, je vais vous envoyer le film. Bah non, vous le gardez. Hein. Je vous paye pour le garder. Non. J'avais encore du travail. Hein. Non, Alizé, on n'entend pas. On n'entend pas.
pour les applaudir. Jean de Beauvau, le chevalier noir, Jean-Luc et Chabateau. Vous avez dit que j'allais gagner. Personne qui a accroché quelque chose sur la lance peuvent récupérer ce qu'ils ont attaché, faire la bise au chevalier et caresser au cheval. Dame Gilet.